Et salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui pour l'épisode numéro 5, 6, je sais plus, pour sur Getta Faction et Getta Faction. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de continuation du dernier épisode, donc je viens juste de faire l'intro, l'outro, vous avez compris. Et puis oui, j'espère que l'épisode va vous plaire. Donc comme je vous ai expliqué, ça va être un épisode un peu blabla, surtout construction de la ferme et construction du problème. On va essayer de réparer la ferme à vache. Donc vous allez un peu voir comment c'est construit la ferme à vache, sans vraiment vous faire un tutoriel comment la faire, mais vous allez voir comment c'est fait. C'est Squid qui l'a construit. Donc la chaîne de Squid sera dans la description. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si ça vous a fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Icons. Pas de fin de journée. Donc yop les gars, on se reprend. Il y a Keshax maintenant avec nous. Il y a qui d'autre? Frosties. Donc comme vous allez voir, j'ai agrandi un peu. Ici il manque des blocs. En même temps j'ai eu des cadeaux, donc j'ai dû bouger. J'ai pas beaucoup travaillé en vrai. J'ai peut-être dû miner pendant peut-être 20 minutes gros max. C'était vraiment quelque chose de court. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va miner ici encore un peu plus profond. Comme vous voyez à peu près profond comme ici je crois. Ouais. Et puis ça va nous faire tout ça. Ouais. Peut-être en largeur, on va agrandir sur les largeurs. De côté on va agrandir beaucoup plus sur les largeurs. Parce que continuer à s'en aller par là, on risque de tomber sur d'autres bases. Donc on est mieux de s'agrandir par là je crois. Donc ouais. C'est ça qui est ça. Vous savez que la base n'est pas claim, donc ça va au calme. Fait que là... Ah oui, Squid, après, il faut faire le prochain épisode, on va faire une farm de virus du Nether automatique. On va la faire en façon de prochain épisode. Ok. Je vais récupérer la substance. Et puis, je vais aller vendre le fer. On a aussi terminé la machine à corps. Donc, je vais essayer de vite fait vous présenter ça, les gars. Donc, c'est Squid plutôt qui l'a fait. Hein. J'ai rien fait, je vais pas vous le cacher. Donc, la chaîne de Squid va être dans la description si vous voulez voir un peu plus de trucs de redstone et tout. C'est lui qui s'occupe de tout ça, normalement. Prends la substance, gros. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que Squid a fait. Donc, c'est à partir d'ici. On a décidé de... Oh shit, j'allais sauter en bas dedans. Donc on a décidé de faire ça ici. Pourquoi? Parce que ça va tomber juste en bas, comme je vous l'ai présenté. Le spawner va être au milieu là. Et les vaches vont spawner sur les trucs ici. Les plaques de pression. Squid fait la vache, voir. Ah, trop tard. En gros, Squid va... Exemple, vous allez... les vaches vont tomber ici et puis ça va faire ça. Pourquoi? Voilà. Tu sais, moi j'ai genre en mode... Voilà, bah les couilles. Et en gros, les vaches vont toutes tomber ici. Ils vont arriver ici dans le feu. Ils vont lag, parce que comme vous pouvez voir, il y a du feu juste en dessous là. Donc dans le feu, ils vont cramer. Et ça va nous faire des steaks cuits, premièrement pour la bouffe, ce qui va être super intéressant. On n'aura plus besoin de prendre des carottes ou des patates pour se bouffer. Et aussi, ben, on aura du cow. En fait, ça te prend deux coffres, Squid, si t'as oublié. Ça prend pas juste le cuir, ça. Ça prend pas juste le cuir, mec. Ça prend aussi l'autre truc de vache. Ouais. La bouffe et le cuir, donc. Ouais, mais je veux dire, c'est qu'avec un smear... Ouais, ça va pas farmer au coup. Ça remplira jamais jusqu'à... Ouais, t'as raison. T'as raison. On va prendre ça, on va prendre ça. Ça, c'est pour faire des livres, donc on va laisser ça là. On va faire un beacon au pire. On peut faire un beacon si tu veux, ouais. Jusqu'à la surface. Ouais, ça va être chaud faire un beacon dans la base, mec. 14 000 la base. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Elle fait 14 000 la map, du coup, enfin pour qu'il y ait un mec qui passe juste sur notre base, vraiment il y a le beacon. Non mais même, un beacon, ça se voit. Ouais, ça se voit sur... Ouais, mais pour qu'il y ait un mec qui se balade, comme vous voulez. Hein. Non, je suis pas trop pour. Sinon, question comme ça, il y a de la stone quelque part? Ah si, au fond. Je vais en chercher au fond. Comme ça, je vais finir le plancher et puis on va continuer à miner le trou pour le champ de... Le fond, on l'a agrandi en fait, je crois que c'est Wither qui l'a agrandi. Il a fait, il a exactement changé les champs. Donc, coffre melon. Super. Coffre melon, melon. Faire cuire s'il te plaît, pas taf. Ok, good. Oups, shit, j'ai cassé ton bois. Pardon. Enlève les panneaux par exemple, c'est moche. Il y a Elias qui veulent tous mes melons, ce bâtard. Donc, je prends tous les melons et on va se casser après. Comme des fils de pute. Donc ça, les formes, vous avez compris, c'est une petite femme pour les gens qui ont pas encore leur base. Les formes, ça toujours pour les gens qui ont pas leur base, nécessairement. Et puis quand les gens ont leur base, ben, ils quittent les formes, puis ils laissent ça ici. Donc voilà. Ils s'en vont à leur base, quoi. Au cam, on a ça qu'on va les vendre. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous aussi. On va faire un slash craft, vite fait. Donc ça, on s'en fout. Lego. Ah, attends. Tiens. Ça. Plus ça. Plus besoin de ça. Nickel. Super. Donc, vite fait, il y a de la stone. Je crois qu'il y a de la stone ici. Oui, non. Oui, la stone là. Et ça. Super.
exactement ce que j'ai besoin. En plus, on a vu dans le dernier épisode qu'il y avait de la spawn ici. Donc, je m'en souvenais. Home new base. On va juste renommer le home new base en bas pour mettre home coffre. Et puis, on va être bon. Donc, on va faire build home new base. Set home. Juste ici. Set home coffre. Nickel. Donc, on va vite fait commencer par ça. Donc, je sais que je parle tout seul, mais c'est pas grave. Détail. Tac, 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 voilà. Non, mais c'est bien, c'est bien. Skip, c'est les gens normaux qui se parlent. Tout le monde se parle dans leur page, je crois. Comme ça. Les machines à potions, elles marchent pas, hein. Squid? Normal, faut mettre des ingrédients et des bottes. Ok, bah viens, on va en mettre, c'est. Parce qu'il y a un KOTH ce soir, donc tu veux bien m'aider à les remplir? Je sais pas trop où est-ce qu'il faut mettre. 18h, non, il a modifié à 5 minutes, tu lui ai demandé à modifier. C'est toi qui lag. Moi je lag pas. Ah merde, c'est vraiment récemment. Comme ça. Vous voyez, les phares, ça vient super vite, les gars. C'est un truc de fou, mec. 10 minutes, un stack, quoi. Vas-y, je remplis la machine. Ah, comme j'ai jamais essayé voir, tu en vois plus ou pas? Attends, je vais. Attends, je vais venir voir. Je vais venir voir. Longueur, je pense que c'est bon, mais qu'est-ce que t'en penses si on y irait par largeur, par là? Attends, mettons. Attends, creuse avec moi, vite fait, qu'on voit à peu près. Il nous manque la masse de glowstone, Icons. Peut-être à partir d'ici, non? Ouais, à partir d'ici, je pense que ça va être bon. Ça va nous faire à peu près un 2-3 000 par récolte. Ouais. Ouais, vas-y. Il y a l'étage, hein? Ouais, on va faire aussi l'étage du dessous, donc ça va faire un bon 4-5 000, je crois. Ouais, ça va être parfait. 2 secondes, je vais juste récolter en bas, que déjà arrive. Le clear line ne kill plus les PNJ. Donc, tu vois, on peut faire les PNJ, alors. Vous voulez qu'on se fasse un spawner zombie pour faire les PNJ? J'avais demandé à un modo, il m'a dit oui. Attends, Squid, tu sais les deux spawners araignées, on les transforme les deux pour faire des PNJ. Et on fait une PNJ automatique comme t'avais fait sur la bifree pour sur Kofak. Au pire, non. Ouais. Je sais pas, moi je demande. Ah mais on peut pas les reproduire parce que les reproduire, c'est pour être sur la surface, hein. Non, on est pas obligé d'être à la surface pour les reproduire. Pas besoin, on s'en fout de les reproduire ou pas. Ouais, c'est pour ça, on essaie de les transformer. Nous on veut juste les transformer, avoir les U3 et puis voilà, c'est tout ce qu'on veut quoi. Ok, bah on fait ça, on va faire ça dans les prochains épisodes les gars, c'est ce que vous allez devoir faire, donc on vous spoil un peu là, mais je vais essayer de faire ça avec Squid pour comme ça vous allez avoir du contenu les amis sur la chaîne, et puis en même temps ben, ça vous permet de voir les talents de Squid, parce que Squid c'est vraiment un putain de PGM de la Redstone, et Keshox c'est un putain de farmer chinois, donc vous voyez les talents de chacun. Aussi la chaîne de Keshox et Frosty sont dans la description comme à chaque fois les gars, si vous voulez vous abonner, allez faire un tour, c'est mes potos, et je crois que je vais toujours les mettre dans la description de tous mes vidéos. Pourquoi? Parce que c'est toujours avec eux que je fais les vidéos, et puis ça sera moins compliqué. Donc voilà. Tac tac comme ça, il y a l'admin qui vient à Sco, détail. Tac 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 comme ça. Tac comme ça. Et on va faire ça comme ça. Voilà. Donc ça, pas besoin Squid, je te donne ça. Je vais prendre ça. Ça change la gamme or là, donc bon. Ouais. Ça, j'ai remarqué. Ah en fait, attends, j'en ai besoin. Ah c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a là? Rien pour l'instant. On va acheter ça. Nickel. Là, rien. Faudra remplir la machine à potions parce qu'il y a un KOTH à 18h. Ça, faudra s'occuper de ça. Les trucs à zombies là. Moi aussi, j'ai une knockback 2 de ouf. Ah, oh, il y en avait ici. Mon pote, c'est quoi? Regarde mon épée, je vais te le dire, c'est quoi? C'est que Sharpness 5, Knockback 2, Looting 3, Fire Aspect 2. mon arc Punch 2, Power 5, Flamme 1, Unbreaking 3. Ouais, j'ai récupéré, mais avec Punch 2. Mais... Non, c'est un abonné qui me l'a donné. Il me faut juste Infinity sur un arc et mon pote, je suis bon. J'espère juste qu'un jour on aura Infinity. Je vais juste mettre ça. Ici. Voilà. Et puis ben les gars, je vous dis à tout de suite. Je vous dis à tout de suite parce que ouais, je vais aider Keshox et puis je vais aussi vite fait aller vendre tout ça. À moins que ça vous intéresse que j'en aille voir combien qu'on a. Ah oui, attendez. Slash money. C'est bon, on va lâcher une pioche à spawner. J'ai 6000. Et puis on va pouvoir modifier spawner à la vache tout de suite. Squid, ok.
Slash spawn. Et puis on va vous laisser là-dessus, on va changer le spawner et je vais vous laisser là-dessus pour cet épisode-là les amis. Donc comme d'habitude, de l'essentiel, du farming, c'est juste ça que vous allez voir. Du farming et du pillage et du PVP aussi bientôt, on va essayer d'aller chercher des bases avec... avec Keshux, on va chercher des bases bientôt et tout, donc on espère trouver des grosses farms avec des bons pillages. Ce serait vraiment intéressant. Donc, on va vendre tout le fer, donc on en a combien? 751, ça va nous donner à peu près 600, voilà. Ça on en a 3, 3, ça on en a 4, et ça on en a 3, voilà, on a 18 virus du nether, voilà, et bloc de melon, on en a 185, nickel, et c'est tout, voilà. On va acheter une pioche spawner. Ma chaise est cassée, oh là là, c'est triste. Donc, gold pickaxe, on va faire acheter. Attends, juste voir combien qu'on a avant. 0. Achat réussi, 0 pour 0. Lol. Money, 7000. Donc, il va me rester. Super. Une pioche spawner. Donc, on va aller au home coffre. Et on va miner le spawner à vache. On va le récupérer, on va le poser ailleurs. Voir si on peut avoir le cuir et les steaks. Parce que les steaks, c'est important pour la bouffe. Et le cuir pour faire des livres pour enchanter. Donc c'était ici, right Squid? Ouais, juste là. De quoi? Ouais, c'était derrière. Super, j'ai spawner. 6000 pour une erreur fatale comme ça, man. Ça coûte cher les erreurs, putain. Ça lag, non? Ouais, ça lag peut-être un peu, je sais pas. Ouais, c'est moi ou le serveur qui lag, je sais pas. Ouais, c'est lag. Stop dire lag, on prend les 2S. On les 2S. Ok. Oh non, je suis tombé, putain, fils de pute. Attends, je vais casser les blocs. Tu peux casser les blocs? Ouais. Nickel. Oh, c'est un mec, je crois qu'il a pas spawné non plus. Pourquoi? Attends, oh regarde, flamme. Oh putain, j'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème, mec? Et ils veulent pas. Pourquoi? Il manque de lumière, non? Je sais pas. Non, non. Mais what the fuck? Pourquoi en fait? Je comprends pas. Ça spawn, mais les vaches n'apparaissent pas. Ouais, c'est étrange ça. Oh, le serveur lag. Les vôtres ont... Ça lag, on va voir après. Ah d'accord. Bizarre. Bon les amis, moi je vous laisse ici de toute façon. On va essayer de trouver une solution pour ça, sinon ben je vais me faire rembourser ma pioche à spawner parce que on l'a quand même on l'a essayé juste pour ça, donc ça serait un peu ballot que ça fonctionne pas encore. Donc allez à la prochaine les amis, je vous aime tous du profond de mon cœur, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, salut.